Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un pesto. Alors c'est un condiment qui accompagne beaucoup de plats, qui relève beaucoup de plats et qui amène un côté végétal que j'adore énormément. Et puis ça me rappelle une petite terre de Provence. Alors, c'est pour moi une des 100 recettes incontournables qu'il est important de savoir faire chez vous au quotidien. Et comme toutes les recettes de mon livre, elle n'est pas chère, elle se prépare vite et elle utilise des ingrédients que l'on peut trouver facilement. Et avant de commencer, lavez-vous les mains et n'oubliez pas, abonnez-vous. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors la liste des ingrédients est en description en bas de la page. Alors je vais commencer par éplucher de l'ail. Quelques gousses d'ail. Avec un couteau d'office, bien sûr. Voilà, je coupe l'ail en deux pour enlever le germe. Parce que ça amène de l'amertume. Je vais mettre mon ail dans mon mixeur. Je rajoute le basilic. Alors, je mets du basilic, mais on peut mettre d'autres herbes aussi. Hein. On peut faire aussi avec de la roquette, ça marche bien. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Je rajoute le parmesan, un petit peu d'huile d'olive pour démarrer. Et là, je vais mixer. Bon, voilà, consistance voulue. Je rajoute de l'huile d'olive. Et je remue. Alors si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez le faire au pilon, bien sûr. C'est un petit peu plus long. Mais bon, ça dépanne. Voilà. Voilà, mon pesto est prêt. Il a une consistance bien onctueuse. C'est comme ça que je l'aime. Et là, vous allez vous régaler. Et maintenant, vous savez comment faire un bon pesto. Alors, c'est une recette qui sert de base au tagliatelle au coq que vous pouvez retrouver dans mon livre. S'il vous manque des ustensiles ou que vous voulez investir dans du matériel de qualité, vous pouvez retrouver tout ce que j'utilise pour cuisiner sur ma boutique en ligne. Si vous avez des questions sur la recette ou que vous rencontrez des difficultés, eh bien dites-le moi en commentaire et je serai là au rendez-vous pour vous aider. Vous pouvez compter sur moi. Allez, ciao! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, eh ben, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, ben, c'est juste là.